Avant toute chose, c'est pour me dire que question de l'ordre de position sur la question vaccin, il y a une autre question qui est sous-entendue, c'est que est-ce que peut-être m'a tout profité de répondre qui position par rapport à prendre vaccin ou pas prendre vaccin. Bon, et quel que soit le livre médecine interne, et le livre médecine interne, il y a un livre médecine interne qui commence déjà à publier, et c'est des études qui fait. Seule façon, pour le moment, pour nous, disons, contrôler la pandémie, hein, diminuer la circulation du virus là, et dans la communauté, c'est vaccin. Hein. Tout bail de prévention est certainement très important pour capable contrôler la maladie à des patients individuels. Mais la question de contrôle, prend contrôle de la pandémie, vaccin pour le moment, c'est un outil ça qui est capable d'aider nous. C'est un outil certainement en plus dans la prise en charge globale de la pandémie COVID. Là. Mais c'est vaccin. Hein. Il faut que tout le monde nous pas payé qui brille ni ce qui fait plus de recherche scientifique. Donc il faut que tout le monde envisage que faut yo mette ça en tête yo comme outil, comme arsenal. On est très probablement question dans l'autre volet qui c'est qui position moi par rapport à décision du gouvernement sur question privatiser et vaccin. Et ça sont des décisions qui montrer incapacité de monsieur Sayo, de monsieur dame Sayo, et irresponsabilité, yo, caractère désinvolte en décision de ce genre. Mais surtout, des gens qui ont improvisé, complètement improvisé, pas gagné, d'autant plus que gagné des marches à suivre, gagné des schémas. C'est qui écrit dans l'organisation multilatérale. On voulait parler de OMS, OPS, et puis en plus de ça, on est capable de prendre exemple sur l'autre pays qui fait vaccination. Son planification et niveau de planification, ça, demande une organisation, demande pour convoquer, pour interpeller des ressources, tant matérielles qu'humaines, c'est l'État seul qui est capable de garantir ça. Qu'on ait un caractère injuste. Injuste parce que je ne peux pas dire, je ne peux pas faire démagogie, certainement pas utiliser un mot qu'on utilise dans le contexte démagogique, même pas dans la démagogie, même si on est petit, je ne peux pas dire petite soyette parce que petite soyette là sont petits mounes, sont jeunes petits mounes, mais je ne peux pas parler de soyette même. Soyette, comment ne pas le faire jeune vaccin ça? Soyette qui habite la troisième section, mon bien coché, comment ne pas le faire jeune vaccin ça? Alors on ne peut pas dire que bon, le pape connaît, justement le pape connaît. Et là, mourir sans qu'on ait. Et en plus de ça, ce n'est pas la première fois que le secteur pays qui fait partie, frère nous, ça, que vous négligez, que vous méprisez. Donc, ce qui veut dire que, moi, il y a un grand affairiste qui a un vaccin, quelques docteurs, vous remarquez que je ne dois pas exclure cette maladie, donc acheter un vaccin, et puis, mon vie dans la clinique, yo même, yo, comme il y a un secteur privé qui a commandé un vaccin, je vais vous priver vaccin tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, mon cher a venu dans la clinique moi, et puis m'a dit bon tel vaccin $70 américain parce que moi j'ai acheté pour 30-40, 45. Donc vaccin coûte $70 et non contexte épidémique, tout pays sur la terre c'est l'état qui va vaccin. Comme dit tout pays sur la terre vaccin ça dans contexte épidémique. Pas grand pays qui pas organisé ressources et fait effort pour toucher tout le monde. Il y a les populations cibles. À l'intérieur de populations cibles, il y a les populations prioritaires. En fonction de coût, comment on peut le faire pour atteindre tout le monde? Ce qui veut dire que on peut rester là, donc on ne peut pas acheter le vaccin, et puis les gens qui veulent acheter, pour voir comme moi-même qui voulait acheter, m'a pas acheté, et puis m'a vendu le vaccin. Donc on a venu acheter le vaccin, là, c'est inacceptable. C'est anarchique. C'est un bagaille arriéré complètement. Ça, c'est tiafériste. Et comme en Haïti, je ne pense pas qu'il y a un homme d'affaires ou bien femme d'affaires, il y a des affairistes. Donc, ils ont profité de l'opportunité de ça. Ils ont joué mon corps, j'aime te dire, ils ont une tête chercheuse. Même j'ai une tête chercheuse pour chercher le nucléaire. Donc, ils ont une tête chercheuse pour chercher l'argent. Côté l'argent, il y a besoin. Donc, pour qui ça a eu la décision ça? Comme dans des
et souvent l'État a parlé de difficultés de stockage. Est-ce que c'est une cause qui fait que tu as voué le vaccin dans le secteur privé? Difficulté de stockage, tu as dit, et m'a parlé avec la population. Et depuis le 16 novembre 2020, OPS a fait sa relève, comment on dit, fait sa relève de développement, de planification et de déploiement, pardon, pour vaccin. Tout le bagage ça yo dans norme yo. Te gagne une série de aspects, gagne 12 aspects dans aspect qui était le déploiement et planification. Mais là donne tout gagne recommandation pour la préservation de chaîne de foi ou bien sans compter que gagne vaccin pas tellement besoin grande chaîne de foi. Bon, peut-être que comme nous non zone géographique côté que nous n'avons pas gagné accès à tout, même à tout dire que Sputnik n'a par exemple vaccin russe là 8 degrés il est préservable jusqu'à 8 degrés, donc il pas besoin chaîne de froid extrêmement rigoureux. Et c'est plutôt Pfizer qui a des exigences en ce sens, ou bien gagner l'autre vaccin par exemple Oxford AstraZeneca, c'est concernant la préservation. C'est des standards, je dis que lié. C'est standard, c'est-à-dire que même gens avec le vaccin préalable que nous qui gagnent déjà, yo, ça a son premier bagage. Mais tout bien, c'est justement c'est rôle l'État pour planifier. Yo. Donc, bon, ni gon l'État, seul rôle li, c'est craser manifestation. Seul rôle li, c'est joindre corps pour allier armé, groupe armé, c'est joindre corps. Non, rôle l'État justement quand population en péril, voilà que nous en péril, voilà que nous gagnons avec ZAM qui entoure la ville là, personne n'a pas sorti, d'accord, presque dit nous non ville assiégée, donc nous n'avons pas sorti, donc l'État ça vient nous dire ah bon, comme pas qu'à une chaîne de frais, mais pas privé non. Si vous n'êtes pas capable ou pas de venir dans job ça son job, il faut encadrer la population. C'est ça que job ou c'est pas dit de pour pas qu'à fond bagay. Et je répète, gagner organismes multilatéraux qui bat aux outils comment pour faire et probablement y a payé d'eau faire. Donc c'est pas pour un crédit pour du bail privé. Ça c'est purement une opération mercantile. Que moi je suis sûr que c'est une opération mercantile. Est-ce que tu as l'air de dire un vaccin déjà? Est-ce que tu as l'air de dire un vaccin? Non, c'est pas ça. Je pas pensé que tu as dit ça. Je dis que j'ai un vaccin déjà. Pour le moment, je ne sais pas dans quel contexte que je me dis. Moi, simplement, je dis que un homme dit que j'ai un vaccin, que la rougeole, tout vaccin, ça y a même tout, il y a des exigences en ce qui a trait à comment pour préserver, comment pour garder. Yo. Donc, si il a mis sur le marché, il dit que j'ai dit combien oui, ça a coûté. On essaie de faire par ordre croissant. AstraZeneca a coûté $4 la dose. Johnson & Johnson coûté $10 la dose. Moderna coûté entre 25, c'est là me dit entre, c'est pas changer pas changer, non c'est comme ça l'écrit, même entre $25 et $30 probablement dépendant de côté que lié. Pfizer coûté $30. Sinopharma coûté $60. C'est lui qui coûte plus cher. Sputnik coûte $10. Sputnik là coûte $10. Donc c'est plus la dose. AstraZeneca c'est 2 doses. Et Sputnik c'est 2 doses. Moderna et Pfizer c'est 2 doses. Mais Johnson & Johnson sont seules doses. Et oui, Johnson & Johnson, quoi c'est Johnson & Johnson seuls qui ont seules doses. Sinopharma c'est 2 doses. Oui, mais nous apprenons que y a même un tour là. Dans la politique, maintenant, c'est que vous avez un vaccin dans notre pays. Oui, il y a des milliers d'Haïtiens déjà qui ont un vaccin dans notre pays, qui sont partis, qui ont un vaccin. Oui. C'est pas un secret. Moi-même, quand je parle avec vous, je prends un vaccin à l'étranger. Parce que moi, à risque, minimum chaque jour, moi, j'ai 2 vaccins COVID. Et moi, chance pour moi, j'ai toujours protégé moi. Moi j'ai écran facial, moi j'ai masque N95 etc. Moi toujours j'ai gel, même là m'a parlé sans masque avec moi, mais là je prends précaution pour me 2 mètres et en plus de ça me vacciner. Donc pas
nan fè anken demagogi pou mta di ou ke ke m pa vaksine gen bon moun ki gen mwayen ke se swa mwayen finansye e an plus de sa aux Etats-Unis bon te gratis lèm te pran lon pati ou de pou pare ton kote e yo menm yo te gen de vaksin an plus donc de pou moun vle pran ni li konvenu yo li konvenu yo ou veni nan peyi ya e pi yo suke ou menm ou pa kontamine yo ankon koun ya ou pran vaksin e ou fè biye d'avion yo vann parce biye d'avion yo pat vann ek se kon bon bagay kon bon avantaj yo jwenn sou li men kon bon ayisyen voyaje e mwen mwen exote tout ayisyen a après vaccin parce que depuis combien d'années m'ta ka di chiffre là à peine si nous gagne environ 344 ou bien 350 établissements hospitaliers là-dedans yo nous mettait tout oui sans lit avec lit au l'hôpital bienfaisance l'hôpital public l'hôpital privé etc. donc ou imaginez sans compter plateau technique l'hôpital ça qui très faible petit bagage autant de et moun qui t'a une responsabilité pour équiper on disait Roger Gaillard et le la question d'infrastructure dans pays ce sont des tâches bourgeoises que c'est pas nous pas qu'attendre que une révolution sociale qui fait qui pour mettre infrastructure dans pays infrastructure ce sont des tâches bourgeoises que ce sont des bagages que pays a de gagner la question de modèle économique c'est tout simplement comment nous pas décider nous pas faire répartition mais la question des biens sociaux était loué là donc pour monde chaque fois qu'on tête fait mal au voyage ou allons l'autre pays pour aller prendre soin c'est inacceptable en tout cas nous pas rien ba ça donc et puis mon yo poil on vaccin que était de trop pressé pour ba peuple je m'a répété au grand monde qui m'a dit petite soyette m'a parlé de soyette même qui habitait mon ben coche ou bien qui habitait et c'est à Kakabajal et qui sous frontière comment pas le faire pour le jeune vaccin là le son grand affaire qui commande vaccin comment on va le faire pour le jeune et qui est-ce qui pourra le balayer qui est-ce qui pourra le préoccuper porter le pour lui parce que c'est de cela qu'il s'agit il faut porter le pour lui parce que c'est pas lui pour venir prendre il faut porter le pour lui nous avons devoir sauver la vie mon il faut tout le monde ça en tête donc docteur Ngolo on va viser chapeau c'est donc avant même et question pas nous soit avec vaccin. Nous avons une variation du prix des vaccins. Mais pour ça, tout vaccin n'est pas vraiment le seul prix. Pour chaque groupe particulièrement, est-ce que c'est pas même pas d'ailleurs qui compose non. Non, j'ai rien. Mais ça, c'est efficace. Il y a une méthode, évidemment, il y a une efficacité qui varie. Mais variation efficacité n'est pas en pile parce qu'il y a tout situé autour de 90, 92, 94%. Donc, c'est pas un tellement différent. Tout d'abord, Moderna avec Pfizer, ils ont utilisé ça les méthodes géniques, la même thérapie génique qu'ils utilisaient. Ça les, c'est pas ADN non, ARN qu'ils utilisaient, ARN messager qui pour prendre yon qui peut diriger vers un antigène virus là c'est-à-dire ça que virus là utilisé pour l'attaquer là donc vaccin ça il est censé bloquer ça que antigène là t'est utilisé pour attaquer là donc de ça Moderna avec Pfizer gain Kounia Sputnik avec Johnson & Johnson ils utilisent une méthode qui c'est ça ils utilisent un vecteur utilisons l'autre germe mais un germe qui est inoffensif qui rentre qui permet de rentrer dans cellule là pour le porter et matériel qui pour permettre de fabriquer anticorps là qui pour permettre de fabriquer pour goumer avec virus ça Sinopharm les mêmes les utiliser d'acadie sur les méthodes anciennes là sur les virus atténués hein. Parce que vous prenez virus là yo mette non yo cultive virus là dans des cellules et puis virus ça connait yo retire matériel qui rend virulent yo retire li et puis connait ce virus ça donc
ou bien yo bon virus là mais un virus qui pas ca produit maladie mais il permet pour produire za soldat pour gommer contre. Donc c'est ça qui fait prio différent mais gon l'autre tout AstraZeneca pris par là particulièrement différent parce que le $4 les même parce que AstraZeneca te vle fabriquer li au pardon vanni au coût de production. C'est pas il pas un coût de bénéfice comme d'adou tout prix devient plus ça le coûte là ça le vendre c'est ça le coûte là. Donc ça fait par là puis bon marché tout. Bon, on va connaître si assez de participer dans compter pour